39. Mesure de déclenchement d'un DDR 10 mA type AC. Les DDR sont des dispositifs différentiels à courant résiduel. Ils existent sous la forme d'un interrupteur ou d'un disjoncteur. Son rôle est de protéger les personnes des fuites de courant. Il existe différents types de DDR, par exemple les types AC, type A, type A-PR, type F, type B, type B+. Le modèle de DDR qui sera vérifié dans cette vidéo sera un interrupteur différentiel avec un déclenchement instantané à 10 mA et de type AC. La représentation schématique de l'interrupteur différentiel DDR. L'objectif de cette vidéo est de s'assurer que les mesures de déclenchement de l'interrupteur différentiel sont correctes. L'hypothèse. Je pense que les mesures prises avec le MS5910 permettront de vérifier si le temps de déclenchement et la sensibilité de déclenchement du courant résiduel nominal de l'interrupteur différentiel sont conformes. Le matériel et les appareils de mesure. Le montage. Les essais. Mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour I delta N divisé par 2 pour un angle de phase à 0 degré. Plaçons le sélecteur sur I delta N divisé par 2. Voilà. Sur le cadran, c'est écrit X fois 1/2. Alors, voici I delta N divisé par 2. Sélectionnons le courant résiduel nominal I delta N égale à 10 mA, la valeur qui est spécifiée sur le DDR. Pour ce faire, on appuie sur 7 une fois. On voit apparaître la valeur de 30 mA, qui est la valeur par défaut. On appuie une fois sur la flèche vers le bas et apparaît 10 mA, la valeur recherchée. On appuie sur Enter pour sélectionner. Ajustons la polarité du courant à 0 degré. Pour ce faire, on appuie une fois sur 7. On appuie une deuxième fois sur 7. Je vais mettre un peu de lumière. On voit la valeur par défaut. C'est déjà 0 degré qui clignote. À ce moment-là, on appuie sur Enter pour sélectionner la valeur. Assurons-nous de ne pas être en mode sélectif. S pour sélectif, c'est-à-dire retardé au déclenchement. Alors, pour aller vérifier cette valeur-là, on appuie sur Slow. Et on voit apparaître, avec la lumière, on voit apparaître la valeur S pour sélectif ou Slow. Alors nous, on n'en veut pas, donc on réappuie sur l'interrupteur, le bouton Slow. Et la valeur sélectif, le S, disparaît. Mettons l'installation sous tension. Et on active, on va enclencher l'interrupteur différentiel. Et voilà, c'est fait. L'interrupteur différentiel ne va pas déclencher et l'appareil ne va pas indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche Mesure pour effectuer le test. Comme le temps de déclenchement est supérieur à 300 millisecondes, l'alarme se met donc à sonner. Appuyons sur n'importe quelle touche pour annuler cette alarme. Allons voir l'allure du signal de plus près. Ici, il y a un train d'impulsion qui est généré par l'appareil, par le MS5910. Je n'ai pas l'information sur cette partie-là. La partie qui nous intéresse, c'est celle-ci ici, qui représente I delta N divisé par 2. Allons voir ça de plus près. On diminue la période. On tasse un peu. On diminue.
On est en Amérique du Nord, on est sur du 60 Hz, on fait apparaître la tension. On voit que c'est en phase. OK. Ce qui est en jaune représente la tension. En bleu, le courant. Allons mesurer. Je vais enlever la tension. Et je vais agrandir la valeur du courant. On va aller mesurer, voir la valeur crête. Si je m'en viens ici comme ça, une valeur moyenne approximative. Et si je diminue aussi vers le bas, une valeur approximative. Si je prends la valeur positive. Okay. Une chose est sûre, c'est que le CRMS est de 4,96 milliampères. Ici, il y a 7,16 milliampères entre Y1 et Y2. Regardons. 7,16 multiplié par 0,707, ce qui donne 5 milliampères. Donc, on a environ 5 milliampères, tout dépendamment de la précision de l'appareil. Donc, c'est correct. C'est bon. On a vraiment I delta N divisé par 2. Mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour une fois I delta N pour un angle à 0 degré. Plaçons le sélecteur sur une fois I delta N. Voilà, c'est déjà fait. Assurons-nous de toujours avoir 10 milliampères. On va mettre un peu de lumière. Assurons-nous d'avoir toujours un angle à 0 degré. On n'est pas en mode sélectif. L'interrupteur différentiel va déclencher et l'appareil va indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. Le temps des déclenchements s'affiche sur l'écran principal, 8,9 millisecondes. Alors, jetons un coup d'œil sur l'allure du signal. Alors, cette partie-là est inconnue. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est le 1 fois I delta N qui se trouve à être cette partie-là ici. Allons voir ça de plus près. On va élargir la période. Comme ça. On baisse un peu, on fait apparaître le voltage. On va les superposer ensemble. OK. On baisse encore un peu. Voilà. Ouais, à peu près comme ça. Alors ici, ça c'est la tension en jaune, le courant en bleu. Donc, l'angle 0 est ici. Il y a un délai avant que le courant embarque. Ensuite de ça, pour I delta N, une fois I delta N, à ce moment-là, on a un cycle plus quelques millisecondes. Ma compréhension, c'est que le courant commence à ce point-là et se termine à ce point-là. Allons mesurer ça. On va faire apparaître les curseurs. Voilà ma compréhension. J'amène celui-là vis-à-vis le courant. Où est-ce que le courant a débuté? Environ là. Plutôt, c'est encore un petit peu, à peu près là-dedans. Donc, ce que je vois, X1
X2 pour un delta X de 7,46 millisecondes mesurées. Donc le courant a commencé là et s'est interrompu ici. Je vais prendre une photo de ça. Pour fin d'analyse, voilà. Je vais aussi mesurer le temps que le courant a mis à embarquer. Je tasse un peu. Si je reviens comme ça, je peux-tu agrandir ça encore un peu plus? Oui. Donc, si mettons, je pars à peu près ici. Puis je m'en viens environ là. Il y a un delta X de 1,78 millisecondes. OK. Maintenant, mesurons la valeur crête du signal. Je vais enlever le voltage. Je vais garder seulement le signal. On baisse un peu. Je viens rejoindre environ en moyenne comme ça. Je passe une petite affaire. Si je monte une petite affaire. Je peux monter encore un peu. Bon, mettons comme ça ici. Je mesure une valeur de 14,04. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur I delta N. Je vais baisser ça, là, parce que j'ai de la difficulté à lire. C'est difficile à lire. Comme ça. Lui, on le baisse. Donc, j'amène ça comme ça. Puis que lui, je le baisse. Je l'amène à zéro. Comme ça. Donc, delta Y, Y1, Y2, pas égal à 14,12 milliampères. 14,12 milliampères multiplié par 0,707, ce qui donne 9,98 milliampères. Donc, une fois I delta N, 10 mA, 9,98, ouais, c'est bien correct. On va dire que c'est bien correct de même, c'est OK. Donc, c'est bon pour ça. Mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour 5 fois I delta N pour un angle à 0 degré. Plaçons le sélecteur sur 5 fois I delta N. Comme ça. Assurons-nous, avec un peu de lumière, que nous avons 10 mA, nous sommes à un angle de 0 degré et que le mode sélectif n'est pas engagé. Nous avons bel et bien 5 fois I delta N. Remettons l'installation sous tension. On réenclenche l'interrupteur DDR. Voilà, c'est fait. L'interrupteur différentiel va déclencher et l'appareil va indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. Et voilà. Le temps de déclenchement est de 7,6 millisecondes. Alors, l'allure du signal. La partie qui nous intéresse, c'est le courant de déclenchement qui est ici. On va élargir ça. Comme ça, comme ça. On élargit. On va aller voir ce que c'est dit comme temps de déclenchement. Est-ce qu'on arrive à 7,6 millisecondes.
Voyons voir. Environ là. Puis celle-ci, je l'amène environ là. Où est-ce que... Bon, à peu près là. Donc, du point X1 au point X2, il y a un delta X de 6,64 millisecondes, alors que l'appareil ici en haut à droite indique 7,6 millisecondes. Qui dit vrai? Ben, j'ai... Ma compréhension, c'est que le courant commence ici, là. Superposons la valeur de la tension. L'allure de la courbe de la tension. Alors, la tension débute ici, environ là, pour arriver ici comme ça. Ce qui donne 8,7 millisecondes. Étrange. Je vais prendre une photo de ça. Voilà, c'est fait. Mesurons le temps que ça a pris pour déclencher. Je vais agrandir ça pour avoir plus de précision. En mettant ici environ. Donc, il y a un delta X de 1,94 millisecondes, approximativement. On prend une petite photo de ça. Et voilà. Mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour I delta N divisé par 2 pour un angle de phase à 180 degrés. Plaçons le sélecteur sur I delta N divisé par 2. I delta N divisé par 2. Ajustons la polarité du courant à 180 degrés. On appuie sur 7. On appuie sur la flèche vers le haut. Donc, 180 degrés apparaît. On appuie sur Enter. Sélectionnons le courant résiduel nominal I delta N égal à 10 mA. On appuie sur 7. La valeur par défaut, 30 mA. On appuie flèche vers le bas pour sélectionner 10 mA. Enter. On s'assure qu'on n'est pas en mode sélectif. C'est bien beau. Plaçons l'installation sous tension. On réactive le DDR. On le met en position enclenchement. Voilà. L'interrupteur différentiel ne va pas déclencher et évidemment, l'appareil ne va pas indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche Mesure pour effectuer le test. Comme le temps de déclenchement est supérieur à 300 millisecondes, l'alarme se met donc à sonner. Appuyons sur n'importe quelle touche pour annuler cette alarme. Voyons voir l'allure du signal. Encore une fois, cette partie-là, je n'ai pas l'information concernant ce train d'onde-là. La partie qui nous intéresse, I delta N divisé par 2, c'est cette partie-là. On va aller voir ça de plus près. On tasse un peu. On agrandit, on agrandit. On fait apparaître la tension. On va superposer les deux valeurs. Comme ça. On agrandit, on agrandit, on agrandit. Donc, tout est en phase. Enlevons la tension. Allons mesurer la valeur.
quelle est la valeur crête crête qu'on fait apparaître les curseurs comme ça. On va aller chercher la valeur moyenne. 13,8 delta Y, le CRMS, est de 4,90 milliampères. C'est proche de 5. Allons mesurer ici l'alternance positive. La valeur crête, 7,08, multiplié par 7,08, multiplié par 0,707, ce qui donne 5 milliampères. Donc, c'est correct pour ça. Mesure du temps à lequel le DDR va déclencher pour une fois I delta N pour un angle à 180 degrés. Plaçons le sélecteur sur une fois I delta N. On s'assure d'avoir 10 milliampères. On fait apparaître la lumière. On a un angle de face à 180 degrés. On n'est pas en mode sélectif. L'interrupteur différentiel va déclencher et l'appareil va indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. L'appareil indique un temps de déclenchement de 15,9 millisecondes. Observons le signal de plus près. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Allons voir ça de plus près. On tasse un peu. On agrandit ça. On superpose la tension. OK. Alors, en jaune, c'est la tension. En bleu, c'est le courant. Donc, ici, il y a un décalage à 180 degrés. Mesurons la période. Combien de temps que ça a pris, ça? On fait apparaître les curseurs. On tasse un tout petit peu. Donc, ma compréhension, c'est que l'enclenchement du courant I delta N par l'appareil s'est fait à cette position-là. Et elle a terminé sa course ici. OK. Donc, X1, X2, totalisant delta X à 14,4 millisecondes. 14,4 millisecondes. Maintenant, je vais prendre une photo de ça. Comme ça. Je vais reprendre une photo. Comme ça. OK. Allons voir maintenant le temps que l'appareil a mis à lancer le courant, à démarrer le courant. Je peux-tu agrandir ça encore un peu plus? Environ comme ça, approximativement comme ça. La ligne ici, je peux peut-être monter ça une petite affaire. Environ comme ça. Donc, X1, X2, pour un total de 1,96 millisecondes. Donc, l'appareil met 1,96 millisecondes pour
déclencher le courant permettant de mesurer le temps de déclenchement. On prend une photo de ça. Voilà. On ramène ça comme ça. On va aller, cette fois-ci, on va mesurer. J'ai enlevé la tension. On va aller mesurer la tension pointe-pointe. Si j'agrandis ça comme ça, en milliampères, qu'est-ce que ça dit? J'amène ça comme ça, ici, approximatif. J'amène ça comme ça. Une pointe intéressante ici. Là. Évaluons la crête positive. Alors ici, il y a un delta Y, Y1, Y2, d'environ 14,72 mA. 14,72 mA multiplié par 0,707 est égal à 10,4 mA. Cette fois-ci, allons voir la partie négative du signal. Donc, 13,52, à peu près la même affaire. Bon, environ 9,55, là, mais c'est plus ou moins. Là. Maintenant, cette pointe-là, ici, là, ça, c'est quoi, ça? On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui s'est passé, là? On a quoi comme valeur? Environ... On va mettre ça à zéro, là. Ça. Est-ce que je peux monter ça? Petit ajustement. OK. On est à zéro. Donc, on réduit ça. Une petite affaire. La valeur pointe ici, juste là. Alors, Y1, Y2, 20,8 mA. 20,8 multiplié par 0,707, ce qui donne 14,7 milliampères. OK, je vais prendre une photo de ça. Comme ça. OK pour ça. Mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour 5 fois I delta N pour un angle à 180 degrés. Plaçons le sélecteur à la position 5 fois I delta N. Assurons-nous d'avoir un courant à 10 mA. Un peu de lumière. Assurons-nous d'avoir un angle à 180 degrés. Et on s'assure qu'on n'est pas en mode sélectif. Remettons l'installation sous tension. On réenclenche l'interrupteur différentiel. Voilà, c'est fait. L'interrupteur différentiel va déclencher et l'appareil va indiquer le temps que le DDR a mis à déclencher. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. Et voilà. L'appareil indique un temps de déclenchement de 14,1 millisecondes. Jetons un coup d'œil sur l'allure du signal. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est le courant de déclenchement I delta N ici. Cette partie-là, on agrandit. On va aller voir ça de plus près, de plus proche. On fait apparaître la valeur de la tension, la courbe de la tension. On superpose les deux. Comme ça.
On enlève le curseur pour des fins de clarté. Alors, il y a bel et bien un déclenchement qui se fait à 180 degrés. Alors, en plus, on voit la courbe en croix. Le temps qui a été mis à déclencher. Allons voir ça avec les curseurs. OK, ma compréhension, c'est que le signal arrête là et que le courant embarque ici. Donc, X1, X2, pour un delta X de 13,32 millisecondes. Donc, à l'oscilloscope, il y a 13,32 millisecondes. Et dans le coin supérieur droit, l'appareil indique 14,1 millisecondes. OK. Si je tasse pour aller chercher ici, juste avant, je reviens, pardon. Je vais prendre une photo. Voilà. Si je vais au début, à 180 degrés, jusqu'à la fin du signal, jusqu'à la fin du courant ici, donc X1, X2, pour un delta X de 15,32 millisecondes. OK. Allons voir le temps ici que le courant a embarqué. On va agrandir ça. Est-ce que je peux agrandir encore? Oui, comme ça. Donc, ma compréhension, c'est que ça a commencé à peu près ici. OK. X1, X2, pour un delta X de 2,14 millisecondes. On prend une photo de ça. OK. Cette fois-ci, allons mesurer la valeur crête. Je peux enlever la tension. Une deuxième fois. Donc, si je vais avoir la valeur... je fais appel... Non, pas ça ici. C'est pas ça que je veux. Comme ça ici. On monte ça comme ça. Je viens chercher... L'ondulation positive, l'alternance positive. OK. Y1, je vais le baisser une petite affaire. Est-ce que je peux le baisser une petite affaire? Est-ce que je peux me rapprocher de 0? Oui. Y2 est à 0. Donc, il y a 70 milliampères. 70 milliampères multiplié par 0,707, ce qui donne 49,49 milliampères. OK. Puis, si on prend la valeur pointe-pointe approximative, bon, à peu près ça. Donc, il y a un delta Y de 136,8. 136,8 milliampères multiplié par 0,707, ce qui donne 96,7 divisé par 2, 48,36 environ. 48,36 milliampères. On prend une photo. C'est bon pour ça. Mesure de la valeur du courant à laquelle le DDR va déclencher pour un angle à 0 degré, mais cette fois-ci avec la fonction auto-rampe. Plaçons le sélecteur sur auto-rampe. Assurons-nous d'avoir 10 mA. Ajustons l'angle de phase à 0 degré. On appuie sur 7 une fois.
7 une deuxième fois. On appuie sur la flèche vers le bas pour aller sélectionner l'angle à 0 degré. On appuie sur Enter. On s'assure qu'on n'est pas en mode sélectif. C'est bon là-dessus. Et on est à la position auto-round. Le disjoncteur différentiel va déclencher et l'appareil va nous indiquer la valeur en courant à laquelle le DDR a déclenché. Si le courant de déclenchement était supérieur au courant résiduel nominal du DDR, l'alarme sonnera. Dans ce cas-là, on appuie sur n'importe quelle touche pour annuler cette alarme. Remettons l'installation sous tension. On réenclenche l'interrupteur différentiel. Voilà, c'est fait. Appuyons sur la touche « Mesure » pour effectuer le test. On voit une progression en courant. Et voilà. L'appareil indique un courant de déclenchement de 8,5 mA. En appuyant sur Display, on va à l'affichage secondaire qui indique un temps de déclenchement de 23 millisecondes. Et on voit apparaître ici la valeur 0,1 volts. Allons voir l'allure du signal. Alors, on voit ici une progression en courant jusqu'au courant de déclenchement. Allons voir la partie du courant de déclenchement. On tasse un peu, on agrandit ça, on élargit. Alors, c'est toujours pour un angle à 0 degré. Faisons apparaître la tension pour s'assurer qu'il y a effectivement un angle à 0 degré. Donc, on agrandit encore. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Oui. Alors, on voit ici qu'il y a un délai avant que l'appareil mette en marche le courant de déclenchement. En bleu, courant, jaune, la tension. OK, mesurons maintenant. La valeur crête. OK. On enlève la tension pour garder seulement le courant en milliampères. Alors, le CRMS est de 8,72 milliampères. Si on mesure une pointe, mettons l'alternance positive. Je baisse ça à peu près comme ça ici. Y2, je l'approche à 0. Encore un peu. Et voilà. Donc, Y1, Y2. Pour un delta Y de 12 milliampères. 12 multiplié par 0,707, ce qui donne 8,48 milliampères. Bon. Dans le coin supérieur droit, on voit apparaître l'appareil indique 8,5 milliampères. Donc, c'est bon. Allons voir maintenant le temps, si je reviens à la fonction display, 23 millisecondes, dans le coin supérieur droit, 23 millisecondes. Allons voir ce que nous dit la lecture à l'oscilloscope. Ma compréhension, je vais enlever l'alternance, les curseurs, comme ça. Alors, si je m'en viens ici, donc, ma compréhension, c'est que le courant débute à la position X1 et se termine à la position X2, totalisant un différentiel delta X de 23,96 millisecondes. Ouais, c'est approximatif ici, là. Donc, avec la valeur en haut à droite,
23 millisecondes, 23,96, c'est pas mal proche, c'est pas mal proche. Allons voir le délai. On fait réapparaître la tension, on agrandit, on s'assure de bien superposer du mieux qu'on peut l'allure du signal en tension par rapport au courant. Je peux-tu baisser une petite affaire? Approximativement. On tasse un peu, on agrandit. Mes compréhensions, j'amène, bon, mettons que je passe ici, puis que j'amène ça là comme ça, approximativement. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, c'est un delta X de 2,17 millisecondes. Donc, il y a 2,17 millisecondes lorsque l'angle zéro est détecté par l'appareil. Celui-ci met un délai avant d'amorcer le courant de déclenchement à 2,17 millisecondes. Mesure de la valeur du courant à laquelle le DDR va déclencher pour un angle à 180 degrés. Donc, on met la lumière, on appuie sur 7 une fois, 7 une deuxième fois, et allons chercher un angle de 180 degrés. Donc, il y a 180 degrés, on appuie sur Enter pour sélectionner. Alors, toujours à la position auto-rampe, l'interrupteur différentiel va déclencher et l'appareil va nous indiquer la valeur en courant à laquelle le DDR a déclenché. Évidemment, si le courant de déclenchement est supérieur au courant résiduel nominal du DDR, l'alarme sonnera. Dans ce cas-là, on appuie sur n'importe quelle touche pour annuler cette alarme. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. Ah, juste avant, très important, si la tension peut détecter, l'appareil donne un bip pour informer qu'il n'y a pas de tension. Donc, on réenclenche l'interrupteur différentiel et on appuie sur mesure pour lancer le test. C'est parti. L'appareil indique un courant de déclenchement de 8 mA. Et l'appareil indique un temps de déclenchement de... Alors, l'allure du signal, on voit la progression en courant. La partie qui nous intéresse, c'est le courant de déclenchement. On agrandit, on élargit la période. Encore, encore et encore. Encore une fois. Comme ça, on fait apparaître la tension. Donc, on voit ici qu'il y a un décalage à 180 degrés. Allons mesurer le temps de déclenchement. Si je tasse ça comme ça ici, je viens vis-à-vis, comme ça. On avance. Ma compréhension, c'est que le courant s'est coupé ici. À peu près, approximativement. Donc, il y a X1, X2, pour un delta X de 15,52 millisecondes, comparativement à la valeur dans le coin droit de l'écran, à 14,7 millisecondes. On prend une photo de ça. Comme ça. Maintenant, allons mesurer le délai que l'appareil a mis pour déclencher, partir le courant de déclenchement.
À titre d'information, bon, environ 2 millisecondes. On prend une photo, comme ça. OK. Maintenant, allons voir la valeur crête, la valeur en courant. Le courant de déclenchement est de combien? Ce que je vais faire, je vais faire disparaître la tension à l'écran. Encore une fois. Allons chercher les curseurs qui nous donnent la valeur point. OK. Débutons par l'alternance positive. Il y a 12 mA. Donc, 12 mA multiplié par 0.707, ce qui donne 8.48 mA comparativement à la valeur dans le coin droit de l'écran qui était 8 mA. Donc, c'est correct. Si on prend la valeur crête, pour donner un ordre de grandeur, alors ici, il y a 22.48 multiplié par 0.707 divisé par 2, ce qui donne 7.9 milliampères. Donc, on se rapproche de la valeur indiquée par l'appareil dans le coin droit de l'écran. Mesure de la tension. Ligne mise à la terre. Positionnons le sélecteur vers ligne mise à la terre, comme ça. On remet la tension, on réactive le dispositif, l'interrupteur différentiel, on réenclenche. Donc, on mesure une tension de 121 volts, 60 Hz en Amérique du Nord. Allons mesurer cette fois-ci la tension ligne neutre. Alors, il y a une tension de 121 volts, 60 Hz. Mesure de l'impédance de boucle. Plaçons le sélecteur sur loop pour boucle. On s'assure d'avoir une tension d'alarme à 25 volts. On va aller vérifier ça en appuyant sur 7 une fois, qui fait clignoter de 10 mA. On appuie sur 7 une deuxième fois, qui nous indique la valeur par défaut, 25 volts. 25 volts qui sera être l'alarme de voltage. Alors, si UC est supérieur à U limite, l'alarme sonnera. Donc, dans ce cas-là, on appuiera sur n'importe quelle touche pour annuler cette alarme. Le circuit est déjà sous tension. Alors, juste avant, je vais confirmer. Et voilà. Alors, l'interrupteur différentiel est déjà enclenché. On est maintenant prêt à lancer un essai. Appuyons sur la touche mesure pour effectuer le test. On voit apparaître le train d'onde habituel et rien ne se produit. L'appareil n'indique rien. Si j'appuie sur Display, il n'y a rien. La valeur, c'est 0.01. Et la tension 0.00, ça va pas bien. Donc, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, la résistance de loop, 0 ohm. C'est quand même assez étrange. Et de toute façon, on voit ici qu'il y a le train d'onde habituel et que l'appareil n'a émis rien. Aucun signal. Problème. Bon, essayons maintenant, cette fois-ci, on va sélectionner l'alarme de voltage à 50 volts.
On appuie sur 7. Il y a toujours le 10 mA. On appuie sur 7 une deuxième fois. Il apparaît la valeur par défaut. Tension limite, 25 volts. Nous, on va monter cette fois-ci à 50 volts. Donc, apparaît 50 volts. On appuie sur Entrée, Enter, pour sélectionner cette valeur-là. Appuyons sur la touche Mesure pour effectuer le test. Alors, on voit apparaître le train d'onde habituel. Mystère, que se passe-t-il? Il n'y a rien qui se passe. On arrête ça là. Il n'y a rien qui se produit. Donc, l'appareil indique 0 volt. Aucun déclenchement. Appuyons sur Display. La valeur est de 0. Donc, 0 ohm, 0 volt. Je suspecte un sérieux problème avec la fonction loop sur cet appareil-là. Vraiment étrange. On revient à l'allure du signal. Ben, il y a le train d'onde habituel. On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que ça dit? Il y a quoi? Environ, habituellement, c'est 16 impulsions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Mais c'est ça, je n'ai aucune information dans le manuel de l'utilisateur. Je n'ai pas trouvé aussi d'autres informations. Alors, c'est comme si on avait... C'est comme s'il y avait un train d'impulsion. Le courant est enclenché à 180 degrés avec un espace d'un cycle. Mystérieux. Alors, je ne perdrai pas de temps là-dessus, n'ayant pas d'informations. Donc, définitivement, il y a un sérieux problème avec la fonction loop sur cet appareil-là. Donc, malheureusement, pour cet appareil-là, la fonction loop ne fonctionne pas. Donc, pour éviter toute confusion, il met un beau petit tape comme ça. Jusqu'à ce jour, cette fonction-là ne fonctionne pas. Voilà. Pour le reste, ça semble très satisfaisant, mais la fonction loop, ça ne marche pas. Résultat des mesures des temps de déclenchement pour angle de phase à 0 degré et angle de phase à 180 degrés. Conclusion. L'utilisation du MS5910 a permis de mettre un peu plus en lumière le principe des mesures de déclenchement d'un interrupteur DDR 10 mA et de type AC. Pour la partie mesure du temps à laquelle le DDR va déclencher pour I delta N divisé par 2, une fois I delta N et 5 fois I delta N, et aussi pour autorampe pour un angle de phase à 0 degré et 180 degrés, les valeurs mesurées entre le MS5910 et l'oscilloscope rencontrent la spécification de plus ou moins 3 millisecondes en référence au manuel de l'utilisateur. Pour la tension ligne neutre et la tension ligne mise à la terre, les mesures présentent un résultat satisfaisant. Pour la mesure de la résistance de boucle loop, le MS5910 affiche 0 ohm. Rien ne se produit et tout laisse croire que la fonction loop est inopérante. Les résultats de la fonction loop laissent un goût amer et fragilisent la crédibilité de l'appareil. Cependant, le MS5910 demeure un appareil intéressant pour des essais de comparaison sur la mesure des temps de déclenchement pour la DDR de type AC.
Espérant avoir apporté un peu plus de lumière dans vos réflexions, merci Gray.